On est vendredi. Oh. Oh. Vendredi 13. Oh. Si je me souviens bien, on dit que c'est par temps d'orage. Oh, et les vendredis 13. Mais c'est que le Dragbul fait son apparition. Et qu'il pense au neuf. Un œuf de Dragbul ? Oh, misère de sort ! Oh, il n'y a plus qu'à souhaiter que ce livre se trompe. Il faut quand même que j'avertisse le dieu. Le malheur est sur nous. Vendredi 13 et tant d'orage. Monsieur Pomelo ! Monsieur Pomelo ! Enfin, Jonas, en voilà une idée de faire des cascades dans les escaliers. Tu m'empêches de lire. Vous entendez, il y a de l'orage. L'orage? Et alors? C'est le temps idéal. Le livre le dit noir sur blanc. L'orage fait apparaître des Dragbulls. Livre? Mais quel livre? Le livre que vous m'avez donné pour caler la table. Il raconte des histoires absolument affreuses à vous rendre malade. Oh, ça te fait claquer les dents. Lis autre chose. Ben oui. Ou alors tu lis une bande dessinée. Cela dit, tu ferais mieux de dormir. Je donne une fête demain. Une fête? Une fête? Mais c'est très mal choisi comme moment. Consultez le livre. Il affirme qu'il faut annuler toutes les festivités un jour pareil. Ce serait de la folie alors que le Dragbul rôde dans les éléments déchaînés. Le Dragbul? Oui, il choisit les vendredis 13 quand l'orage gronde pour pondre ses œufs. C'est l'ami des gorilles, des démons et des sorcières. Il fraye avec les brigands et il adore entendre le tonnerre et les gémissements de forêt. Sornette, Jonas, ce ne sont que des histoires de bonnes femmes. Demain, je donne un bal et je t'affirme qu'il n'y aura pas de Dragbul parmi mes invités. Mais à votre place, je ne parierai pas. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce livre bizarre? Il ne porte même pas le nom de l'auteur, ni de titre. Et puis, il y a très peu de texte, aucun intérêt. L'important, c'est que nous sommes une nuit d'orage, de pleine lune et un vendredi 13. Tous les éléments sont réunis pour que vienne le Dragbul, c'est écrit là, lisez. Bon, si tu y tiens, alors voyons ça. Non, ne lisez pas tout haut, vous allez l'attirer. L'autre, les olivettes de Nice. Moi, c'est la limonade à l'anis, c'est ma cousine Alice. J'aime pas les choux, j'aime pas les pommes, j'aime pas les épices non plus. Non! J'aime les gâteaux au chocolat. Et la limonade à l'anis, anis, anis. Y'a rien de plus rigolo que l'anis, c'est le petit nez de cousine Alice. Alice! Alors, ça vous a plu, les amis? Beaucoup merci, mon canard. Tu as soif? Oui, je veux bien une autre limonade à l'anis, mon prince. Mais je suis raide comme un passe-lacet, vous savez. Oh. Pas de problème, j'offre la tournée. Un autre pichet? Oui, pas qu'on ait un pichet. Ah! Alors, comme ça, tu es devenu domestique. Non, je m'occupe d'intérim. Hein? J'ai une agence de placement. Alors, tu as une agence de placement? À toi? C'est toi le patron? Oui, c'est moi l'agence touche-à-tout à l'entrée de la ville. Et tu as du travail à offrir en ce moment? Pour qui? Pour ceux qui n'en ont pas, tiens. Pour des garçons honnêtes et courageux comme nous, par exemple. Oh.
quand la pleine lune ôte son abat-jour et que vendredi 13 est le jour, voyons, je le promets, toi, tu es plus fair qu'une botte d'asperge. À l'heure hideuse où les dragons errent sous les éclairs et le tonnerre. Le dragbule construit son nid en plume de fouette. Et il pond son œuf à l'est. Et à l'ouest, traître d'étrange, ça. Donc demain soir, tu travailles comme maître d'hôtel. Non, comme simple garçon, je servirai les boissons au château de Pomalo. Il y aura un grand bal. Oh, un grand bal. Il serait temps qu'on ait une petite discussion. Toi et moi. Foudre, tonnerre, orage, écoute, écoute, écoute le vent hurler dans les cieux, sa peine et sa rage. Le dragbule arrive escorté de terribles nuages. Qu'est-ce que tu disais? Le dragbule qui pond son œuf à l'est et à l'ouest. Mais exprime-toi clairement, voyons. Il faut avertir le jeune Tim Pouce, ce serait plus prudent. Tim Pouce, mais enfin, pourquoi faire? Et puis il dort, le pauvre. De plus, il est bien jeune, et c'est aux vieux sages comme moi de régler les problèmes. Là. Qui, quoi, où ça, là? Sont l'honneur du club colchique. Dis-moi, le bal est pour les membres du club colchique? Oui, il va y avoir les gens les plus huppés de la ville. Je vais être obligé de porter une livrée. La classe, quoi. Des invités très riches, une réception très chic. Une atmosphère de luxe. C'est extrêmement intéressant. Tout à fait, Pierre. Oh oui, il y aura beaucoup de monde. Et tu ne seras pas le seul à servir. Non, il y aura Jonas. Je vois. Vous ne serez donc que deux domestiques? Oui. Jonas m'avait demandé plus de monde, mais mon bureau de placement ne peut fournir qu'une personne par mois. Attends. Et si nous venions travailler avec toi ce soir? Ah bon? Cela te ferait deux extras pour t'aider à servir les invités. Et nous pouvons abattre un boulot fou. Nous sommes des petits gars courageux. C'est ici, monsieur Tim Pouce. Monsieur Pomalo ne voyait pas la nécessité de vous sortir du lit à une heure aussi tardive, mais j'ai trouvé cela préférable. Mieux vaut prévenir que guérir, hein? Qu'est-ce que tu fabriques, Tim Pouce? Il cherche, monsieur. Il cherche et enquête. Mais vite alors, tu sommeilles, moi. Ces traces de pas sont étranges. Vous êtes sûr de cette histoire de... Dragbule, ça ne pourrait être que lui. Il fuyait vers les montagnes noires? Oui. Vous croyez qu'il va revenir? Je n'en sais rien. Et si je prévenais la police ou l'armée, qu'en pensez-vous? Cela ressemble bien à des empreintes de pieds géants. Mais je vous conseille de n'en parler à personne. On vous rirait au nez. Oui, de toute façon, c'est très mal de piétiner le jardin d'autrui. Surtout quand on a des pieds grands comme des péniches. J'ai bien envie d'écrire au maire. Non. Mais qu'est-ce que c'est?
Un ballon, un simple ballon qui appartenait sûrement à mes petits-neveux. Ils ont passé l'été au château. Il ne présente aucun reflet mystérieux. Jonas, tu as beaucoup trop d'imagination. Heureusement que je garde la tête sur les épaules. Ah, merci beaucoup, Tim Pouce. Et n'oublie pas de bien tirer la porte derrière toi lorsque tu sortiras, s'il te plaît. Bonne nuit. Je ne suis pas convaincue. Ce ballon n'a pas un aspect ordinaire. Jonas, veux-tu éteindre la lumière, s'il te plaît? Et ferme la porte derrière toi. Nous allons devenir riches, patron. Oui, nous pourrons enfin avoir notre cirque. En attendant, c'est nous qui ferons les salles demain au château de Pomalo. Je vais te montrer. Vas-y. Madame, si vous voulez me confier votre fourrure, nous allons nous occuper du vestiaire. Après les fourrures, nous serons obligés d'improviser. Mais nous repartirons couverts d'argent et de bijoux. Oui. Super cerveau, hein. Oh. Jonas, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais disparaître les traces du monstre qui déshonore notre beau jardin. Je n'en ai pas fermé l'œil de la nuit. On dirait un détestable Capharnaüm. Oh, laisse tomber, Jonas, et ne pense plus à cette histoire. Et occupe-toi plutôt de la fête ce soir. Nous avons un travail fou. Oh, nous avons un travail fou. Mais j'ai un travail fou, monsieur, avec tout le respect que je vous dois. Des monstres, des empreintes de pas. C'est la pluie d'orage qui a abîmé le jardin et ce ballon trouvé dans les buissons. Ah, tiens, justement, le voici. C'est peut-être un petit morceau de comète. Je vais l'offrir à Madame Tendre-Cœur. C'est une dame qui a beaucoup de goût. Elle va sûrement l'apprécier. Ah, voilà qui est bien mieux. Il va falloir raccourcir un peu les manches. Ce soir, notre tenue devrait être impeccable. Je suis content que tu aies pu trouver deux extras, Baudubec. Ce genre de fête, c'est épuisant. Un cadeau, Olivier. Un beau cadeau, mon Dieu, vous êtes adorable. Merci, vous êtes le plus amour des amours. Oui, c'est un ballon très particulier, Madame Tendre-Cœur. Il est arrivé tout à fait par hasard dans mon jardin. Je dois dire que je lui trouve un charme tout à fait spécial, très artistique, dirais-je. Il est de forme ronde, oui, c'est ça, ronde. C'est quelque chose qui convient à une dame aussi raffinée que vous. Cela dit, ce n'est qu'une bricole, une petite chose sans importance. Ne croyez pas que vous me deviez une reconnaissance, quelle qu'elle soit, ma chère amie. Oh, mais Olivier, c'est le geste qui compte. Et puis, vous me parlez toujours de bricole, vous qui me gâtez tellement. Vous êtes si généreux et si attentionné. Je vais passer vous voir. Oh, vous savez quoi? Je vais mettre la nouvelle robe que j'ai achetée spécialement pour ce soir. Et vous me direz si elle me va bien. À tout de suite. Nous allons commencer par sortir la vaisselle pour dresser le buffet. Au passage, tu admireras les portraits des ancêtres de Monsieur Velclot. Un conseil, Baudubec, fais attention à la vaisselle. C'est de la porcelaine qui se trouve dans la famille depuis des générations. Oli est le diminutif d'Olivier, le prénom de monsieur.
Voyons si j'ai bien apporté tout ce que Jonas m'a commandé. Oui? 18 bouteilles de limonade à la fraise des bois, à 3,95 francs la bouteille. Nous allons arrondir à 5,95 francs la petite bouteille. Notre brave châtelain est riche comme Crésus, alors. Voilà. Tu me suis à la cuisine, bon du bec? Va me chercher la desserte, ce sera plus prudent. Dans le salon. 18 boîtes de soupe à la tortue et aux groseilles vertes. Bon, je n'aurais jamais pu les vendre, heureusement. Un panier d'œufs frais, oui, un panier. Et sont-ils bien frais? Ils sont frais. Ils sont extrêmement frais, ça devrait encore aller. Enfin bon. C'est la fin du monde. Oh, bonjour, madame, tendre cœur. Je passe chez vous dans un petit instant. Cette grosse livraison m'a mis un petit peu en retard, pardonnez-moi. J'ai hâte de savoir ce que monsieur Pomalo pense de ma robe. Tu as vu cette jolie coupe? C'est le Dracule, le livre disait vrai. Si vous croyez que c'est le moment de jouer, je comprends pourquoi les petits commerçants ont tant de mal à s'en sortir. C'est épouvantable comme attitude. Jean, monsieur Pomalo va capturer un Dracule. Vous n'avez rien à craindre. Il a l'air de bien vous aimer. Non, qui croit? C'est vous qui l'avez en premier en sortant de l'œuf. Ah, ouais. Et alors? Alors, il vous prend pour son papa. Oh,
je vous présente mes respects, monsieur le marquis. Je suis terriblement en retard, pardonnez-moi. Ouais, pour ne pas changer. Va déposer la commande dans la réserve et disparaît. Mais j'ai une excuse, monsieur le marquis, une excuse. J'arrive tellement en retard, c'est que c'est à cause de monsieur Pomalo qui a pondu un œuf avec quelques difficultés, je dois l'avouer. Un œuf ? Comment est le nouveau-né ? Je n'en sais rien, monsieur le marquis. Je l'ai juste vu câliner une espèce de chose verte dans son jardin. Il câline un bébé dans son... sa perlotte ? Il faut que je prévienne, monsieur le maire. Quelle affaire, mes aïeux. Hop là, hop là, hop là, hop. Me voici devenu papa, ma chère amie. Je me sens comme un laboureur devant un champ en friche. À moi d'éduquer ce petit, de le faire croître et prospérer, et de le rendre heureux en premier lieu. Mais c'est une longue tâche qui m'attend. Il va falloir d'abord que je l'inscrive au jardin d'enfants et que je lui trouve des amis. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là ? Oh, quel coquin ! Qu'est-ce que vous dites de cette nouvelle ? Je n'arrive pas à y croire, chante Quack. Pomalo, il aurait pu m'en parler. Il a pondu un œuf dans son propre jardin. Qu'en est-il sorti? Vous l'ignorez. Il faut que j'appelle Blablatin au journal. Ça va faire la une des journaux. Quel événement. Heureusement, je suis assis. Si jamais Pomalo veut nous en faire la surprise à la fête de ce soir, je ne vous en ai rien dit du tout. Cela va de soi, monsieur le maire. Mais je suggère que nous fassions notre enquête discrètement, bien entendu. À ce soir, c'est nuit. Saut ruisseau, monsieur Pomalo a posé un œuf. J'aimerais avoir des détails. Alors, file au renseignement. J'y vais, patron. Les premiers invités ne devraient plus tarder maintenant, hein? Va vite prendre un bain et hop, au lit, mon petit garçon. Mais avant, tu me montreras tes oreilles comme je le faisais avec mon père. Le livre dit que les dragbules ont une profonde horreur de l'eau. Et puis, il devrait se trouver dans les montagnes noires. Ce que tu es défaitiste, mon pauvre ami. Je suis certain que je serai un excellent père. Je vais l'éduquer par le jeu et les rires, et il s'adaptera très bien ici. Ce livre ne raconte que des sornettes. Pour moi, un dragbule est un enfant comme les autres. Hein? Ici, Pomalo, oui. Vite, Baudubec, va chercher le petit. D'accord. Dragbule, ton bain est prêt. Hop là! Je l'ai! On n'éclabousse pas trop, jeune homme, sinon je devrais plonger partout. Et ce soir, je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Ah, veux-tu bien rester tranquille, petite peste? Ton père a dit de te laver et tu te laveras! Voilà. Oh, misère de sort! Je serais ravi de vous avoir parmi nous, Blablatin. Tout à l'heure, le château semblera sortir d'un conte de fées. Oh, vous allez pouvoir faire de très beaux reportages pour votre journal. Oui. Ah, excusez-moi une seconde, je vous prie. Et enfin, Jonas, que se passe-t-il, voyons? Je vous laisse. Il faut que j'aille surveiller le bain du petit. Du petit? Mais que voulez-vous dire? Quel petit? Un charmant bambin que je vais éduquer comme un vrai père. Non! Félicitations, mon cher. Mais c'est magnifique. Je n'étais pas au courant. Où est-il né? Il ira au bain qu'il le veuille ou non. Et comment donc? Donne-moi un coup de main, veux-tu? Oui, oui, je veux bien, mais c'est lui qui ne veut pas. Aide-moi! De quoi soulever? Là, que dit encore ce livre? Le dragbule traverse les villes et les campagnes. Sa poitrine se gonfle et sa gueule crache d'immenses flammes. Il est impossible de résister à sa force. Je crois qu'on court droit à la catastrophe. Oh, oh non! Ah, mais non, mais non. Qu'est-ce qui se passe là-haut, Jonas? C'est le dragbule? Oui, c'est le petit, le petit est un véritable monstre. Un monstre qui change de taille, j'en étais sûr. Ah. Oh. Ah.
pire, entends-tu, Plaplatin. C'est ça, oui, je vous attendais. Monsieur Pomalo, le Dragbulle fait des bêtises là-haut. Mais enfin, Jonas, pourquoi as-tu laissé le petit tout seul? Je t'avais dit de t'en occuper. Et comment se fait-il que tu sois trempé? Hein? Qu'est-ce que c'est que tu... Mais il faut toujours que je fasse tout ici. Hein? Bon, où est ce pauvre petit? Allô? Essayez de le raisonner, enfin, enfin, si vous le pouvez, moi j'y arrive pas. Le petit obéit très bien. Sornette et compagnie. Faites attention surtout, il casse tout. Dragbulle! 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 Oh bonhomme! Coucou petit trésor, ils n'ont pas été gentils avec toi, hein? Tout ça, c'était une tempête dans un verre d'eau. Vous n'avez pas honte, vous deux? Cela dit, il faut admettre que tout le monde n'a pas la fibre paternelle. Alors, petit bonhomme, tu n'aimes pas l'eau, hein? Oh, je ne t'en veux pas, tu sais. J'étais comme toi quand j'étais petit. Messieurs, vos chapeaux restent ici. Non. Bonsoir, monsieur Marc. Albert, vous revenez me chercher à 10h30, ta pointe. Mais ouvrez la porte, mon garçon. Permettez-moi de vous aider. Merci, mon garçon. Ce petit lit m'appartenait. Ton grand-père et ton arrière-grand-père y ont dormi aussi. Mon père me racontait toujours une histoire. Il n'était une fois... Et... Voyons. Non, je ne me souviens plus très bien la suite. Et ça me reviendra demain. Fais de jolis rêves. Oh, ça se laisse boire, ça. Je vous laisse ma fourrure. J'en prendrai grand soin, madame. Tenez, voici mon étoile. Voilà, j'arrive tout de suite, madame. Entre nous, je déteste ces fêtes. On n'y trouve que des ramolos du cerveau. Et bonsoir. Bonsoir, docteur Zaza. Et n'oublie pas que tu m'as promis de me faire danser. Le personnel de Pomalo a une drôle d'allure, faut flair du vilain. Mais tu n'es pas de service ce soir. La loi et l'ordre ne prennent jamais de repos. Ce soir, la loi, c'est moi. Monsieur Gros Dossier, maire de Tuiles en Folie, et madame. Monsieur Blablatin, rédacteur en chef de la Gazette, et madame. Monsieur Menotte, commissaire de police, et madame. Monsieur le marquis de Chantecouac des basses-cours des Girouettes. Monsieur le professeur Zinzin, docteur en psychiatrie, et madame. Bonsoir, je suis journaliste. C'est vrai que monsieur Pomalo a pendu un œuf. Et comment est le petit nouveau-né? Monsieur Pomalo va descendre dans un tout petit instant, alors vous lui demanderez vous-même. Monsieur Tantendu, merci beaucoup. Je vous en prie, servez-vous, c'est gratuit. Merci.
Olivier! Chut! Il dort déjà? Je crois que oui, Alice. Oh, quelle jolie robe! Oh, pardon d'avoir abîmé celle de ce matin. Oh, Olivier, ce n'est rien. Mais vous êtes gentil. À vrai dire, cette robe me plaît encore mieux que l'autre, surtout si elle est à votre goût. Bravo! Bravo! Toutes mes félicitations. Oh, je vous remercie. Monsieur Pomalon, c'est vrai que vous avez fondu un bel œuf. Est-ce que la pâtie vous ressemble? Un œuf. Vous voici obligé de répondre à manger. La presse est tout oui, monsieur Pomalon. C'est-à-dire que... oui, en fait, ce petit... Ce petit niveau, de qui s'agit-il exactement? D'abord, je n'ai pas pondu d'œuf. Je l'ai trouvé hier soir dans le jardin. Et il est arrivé comme par enchantement. Nombre de sacs, n'est-ce pas? Le château déborde d'objets de valeur. Il faut qu'on soit parti dans une demi-heure. Tiens-moi ce sac ouvert, tu veux? Super! Oh, regarde! Ça bouge! Tango, maestro! Non.
moi. Quand il est content et il grandit quand il veut faire une farce ou qu'il est en colère. Ça peut être dangereux. Oh, il faut que j'aille au château immédiatement. Il risque d'y avoir des gros problèmes. Et mes chers amis, le buffet vous attend. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Monsieur Pomalo. Monsieur Pomalo. Monsieur Pomalo. C'est absolument épouvantable. C'est un scandale, Pomalo. Oh, il est joli, le bébé que vous avez adopté. Nous allons nous charger de ce monstre. Faites-nous confiance. Si vous faites quelque chose, je t'en prie. Il n'y a qu'une seule solution. Il faut que vous parliez au Dragbulle. Au secours! Notre Dragbulle, c'est cette chose-là? Mais ce n'est pas mon petit garçon. Si, monsieur. Il n'y a que vous qu'il acceptera d'écouter. Faites vite. Mais pourquoi est-ce qu'il m'écouterait, moi? Parce qu'il vous prend pour son papa. Dites-lui que vous êtes fâché. Au secours! Qu'il a fait des sottises. Ce n'est pas bien, ça. Je suis très, très fâché. Cinq colonnes à la une. Il faut que l'on arrête ce dragon, commissaire. C'est un danger public. Bien sûr, monsieur le maire. Si ces messieurs croient que je suis incapable d'élever ce petit, ces messieurs se trompent. Je peux vous assurer qu'il recevra une éducation parfaite. Il lui faut beaucoup d'amour et une surveillance constante. Je suis tout prêt à vous aider dans votre tâche. Venez dans ma clinique demain matin à 10h, s'il vous plaît. Ce dragon est le roi des voleurs. Il nous le faut. Demain matin, Pomalo le conduit à la clinique du docteur Zinzin. Voici un lieu de promenade tout trouvé. C'est un super plan, patron. Surveillez-moi Pomalo et son rejeton. À vos ordres, monsieur le maire. Il n'y aura plus de scandale. Je m'en souviendrai que cette soirée. Pas un mot dans le journal.
c'est promis, hein? Entendu, entendu. Ah, mon pauvre petit bonhomme. L'édition du matin raconte des choses fort désagréables sur la réception d'hier soir. Excusez-moi, mais avec tout le respect que je vous dois, je dirais que cela nuit à ma réputation. Je vous avais pourtant prévenu. On n'organise pas des réceptions un vendredi 13 quand l'orage fait naître les dragues bleues. Oh, ça suffit, Jonas. Et je te confie la garde du château. Je ne sais pas combien de temps nous serons retenus à la clinique. Monsieur Pomalo, Monsieur Pomalo, je vous accompagne. Ah, merci, mon jeune ami, mais j'irai seul. Cette corvée me déplaît beaucoup, mais puisque c'est pour le bien du petit, je dois m'y soumettre. Bonjour, madame. J'ai rendez-vous avec le professeur Zinzin. Ah. Mon fils doit suivre un traitement contre l'envie de faire des farces et j'ai donné mon accord, bien sûr. On n'entre pas comme ça. Carte de sécurité sociale. Plus tard, le docteur Zinzin nous attend. Oh, pas mal. Vous venez faire examiner le petit trésor. N'ayez pas peur, il sait le faire obéir. Cette voiture sera parfaite pour le jeune Pomalo. Oui, je pense qu'avec ceci, nous parviendrons à l'empêcher de grandir lorsqu'il se fâche ou lorsqu'il lui prend l'envie de faire des farces. Et vous n'allez pas lui faire boubou. Non, 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 Zinzin est demandé à la réception. C'est une petite piqûre. Le docteur est un gentil monsieur qui ne te veut que du bien. Vite, il faut l'enlever avant qu'il ne puisse plus grandir. Maintenant, direction la banque et en vitesse. Il ne faut pas qu'il grandisse avant. Vite, ils ont enlevé votre... Ah. Oh, on voit tout le monde le long. Oh. Ça te dirait d'aller à la banque, hein? Là-bas, il y a plein d'argent que tu pourras ramasser pour offrir à ton papa, hein? Ça va être drôle. Y'a plein. La police branche la sirène. Papon, 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 papon. On va être riche. Deux bandits ont enlevé Dracule. Ils vont dévaliser la banque. Il faut les arrêter. On va être riche. Une fois dans la banque, tu prendras tout ce que tu voudras. Tu grandiras, Dracule. Tu grandiras. Tout est en ordre, monsieur le maire. J'ai escorté Pomalo et le petit, enfin, jusqu'à la porte de la clinique. Parfait, je compte sur vous pour que Pomalo ne nous fasse plus un coup pareil. Un appel urgent, monsieur le maire. Allô? Oui? Quoi? Le fils de Pomalo a encore fait des chiennes? Mais grand Dieu, c'est une calamité, arrêtez! Tout est en ordre, disiez-vous. Je vous conseille d'aller faire un petit tour à la banque. Elle est mise complètement à sac par cette créature que Pomalo a recueillie. Ils sont complices, monsieur le maire. Ils s'entendent tous les deux pour voler et piller sans vergogne. Oh!
joli travail, mon garçon. Monsieur, le Dragbulle s'amuse sûrement beaucoup. Et dans ce cas-là, il devient gigantesque. Dragbulle, Pomalo est le cachet d'aspirine. Tu me pousses? Oh, ça se complique. Dragbulle, lâche ce coffre immédiatement. C'est compris? Lâche ce coffre. Vous êtes pris en flagrant délit. Filou. Filon. Je m'appelle... Oh, oh. T'épouse. T'épouse. C'est sur ces images que se termine notre reportage sur le pillage de la banque. Selon les dernières dépêches, les bandits auraient probablement trouvé refuge pour la nuit dans les montagnes nouées. Encore une dépêche, une prime importante de 10 000 sous sera offerte à toute personne qui capturera le dangereux D.T. ou qui aidera à sa capture, ainsi qu'à celle de son complice, le châtelain Olivier B. Oh, 10 000 sous, tu as entendu ça? Les montagnes noires, oh, trop dangereux pour moi. Patience, patience. Ils ne vont pas y rester 107 ans. Et puis, je mijote un autre plan. Génial. C'est une idée fantastique. Eh bien, monsieur le maire, d'un fil en folie, monsieur Grosdossier a bien voulu nous recevoir. Il ne cachait pas son inquiétude pour l'avenir. Ainsi qu'il l'a lui-même déclaré, que pouvons-nous attendre d'un homme respectable qui se transforme brutalement en un misérable pilleur de banque? C'est peut-être la folie qui a frappé notre concitoyen. Je n'ose pas penser qu'il s'est mis volontairement en marge de la société. En tout cas, je peux vous assurer que le conseil municipal mettra tout en œuvre pour que d'aussi regrettables événements ne se reproduisent plus. Bien entendu, j'ai donné l'ordre aux forces de police de poursuivre les deux bandits à travers les montagnes noires et de les arrêter. Et maintenant, la météo. Déjeuner, jeunesse. Oh, t'épouse, Dragbulle, Dragbulle, mais où es-tu? Où suis-je et pourquoi n'ai-je pas mon café? Mon petit Dragbulle, où il a pu partir? Et dire que j'ai passé des heures à veiller sur lui, comme si j'étais son propre père. Je me suis attaché à lui, moi. Monsieur Pomalo! Hein? Ce doit être la fin. C'est cela. Mon organisme épuisé me donne des hallucinations. Monsieur Pomalo! Mais où étais-tu? Ce n'est pas chic de m'avoir abandonné. Écoutez-moi, il faut vous rendre à la police. Ils vous croient tous coupables. Mais moi, je sais que Yopla et Sabou m'ont fait le coup. Allez me rendre? Mais à quoi penses-tu, Timpousse? Un Pomalo ne se livre jamais à la police pour quelque chose qu'il n'a pas fait, même s'il doit rester caché le reste de ses jours. Le Dragbulle est parti. Quittez cet endroit. Hein? Et si le petit revenait? Il peut se débrouiller tout seul.
Il vient d'un monde qui nous est inconnu. Vous voyez bien qu'il est différent de nous. Il grandit, il rétrécit selon son humeur. Allons, tout le monde sera tatine un jour, voyons. Tu ne comprends pas ce que c'est de veiller tendrement sur un petit être jeune et fragile. Oh. Le petit et moi, nous sommes des dragbules l'un et l'autre. Et les dragbules ne sont pas des mauviettes. On ne nous fait pas plier comme des roseaux, nous. Tout le monde s'obstine à séparer un père attentionné de son fils adoré, mais le fils et le père veulent rester ensemble. Nous sommes des êtres libres et nous tirerons la langue aux mal léchés et aux empêcheurs de chanter en rond. Le vent frais, si léger, si pur, les fleurs d'été en jupon de guipure nous invitent à partir à l'aventure. Viens avec moi, mon garçon. Adieu, impôts et factures, adieu, pot de confiture. Nous avons choisi de vivre à la dure, en pleine nature. Liberté, liberté, le reste, on s'en moque. Le dragbule chante, le dragbule saute, de rock en rock, de rock en rock. Il mène une vie pure, seul en pleine nature. Ce qui le fait rêver, c'est l'aventure. Le ciel est sa peinture. Liberté, liberté et vie sans façon. Viens, mon garçon, le dragbule chante, le dragbule danse, de rock en rock, de rock en rock. Reprenons bien nos cadences. Adieu la pollution, adieu la ville et adieu la culture. Oh, vive la vie, du vent les ennuis, du vent, du vent. Y'a comme un écho. Mais l'aventure. Oh. Vous devriez avoir honte, monsieur. Vous vous conduisez en garnement. Toutes ces histoires ne sont que sottises. C'est ridicule. Tes coups, ça suffit comme ça. Tu as entendu, dragon? Tant pis. S'il ne veut pas entendre raison, qu'il se débrouille tout seul avec la police. Dis donc, mon petit garçon, tu ne l'as pas très bien traité. Mais un peu exagéré, hein. Cela dit, il n'aurait pas dû me parler ainsi. Notre jeune ami aurait besoin d'une petite leçon. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal, quand même. Qu'as-tu rapporté? Oh, mais ça pousse ici, ça. Oh, quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est? Des carottes albinos? Des betteraves vertes? Mais ce n'est pas un repas digne d'un châtelain, ça. Dragbule, Dragbule, où es-tu encore parti? Oh! Dragbule! Sirop d'anis. Anis, anis, limonade. Oh, salut toi. Ah, tu jeune homme. Entre pas comme ça. Je voudrais parler au commissaire Menotte. Je voudrais lui dire que... Et que veux-tu lui dire au commissaire? Vous poursuivez Monsieur Pomalo alors qu'il n'a rien à voir avec le pillage de la banque. Il faut arrêter Saboum et Yopla. Ce sont eux les coupables. Ah oui, mon garçon? Et comment sais-tu cela? Est-ce que tu as des preuves, hein? Qui me dit que tu n'es pas de mèche avec Pomalo et son horrible monstre? Je sais que vous êtes de grands amis et ta petite histoire ne me plaît pas du tout. C'est un complot. Voilà ce que c'est. Maintenant, laisse-moi, hein? À la route, direction les montagnes noires! Et ceux qui sont d'accord, lèvent la main. Hein? Ah ben, c'est très clair. Désormais, Pomalo ne fait plus partie de notre club. Il en est exclu pour toujours. Pour toujours. Bien sûr, et j'en prends note. Plus aucun honneur. Aucun honneur. Henri, voulez-vous nous apporter du sirop de grenade et d'ouvrir? Olivier Pomalo est rayé à vie de notre club et il ne recevra plus le moindre honneur, d'accord?
Dracule! Mon petit! Dracule! Dracule! Où te caches-tu encore? Oh! 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 Qu'est-ce que disait donc Timpousse? Que Dracule ne devrait pas se trouver chez nous, mais derrière les montagnes noires? Allô, allô, ici Melotte, je voudrais le brigadier Slurp. Vous me recevez? Allô, ici le brigadier Slurp, je vois 65 sur 5 à vous. Restez sur vos gardes, Slurp. Entendu, commissaire. On devrait bientôt les arrêter, j'ai la preuve qu'ils sont tous prêts à être terminés. Oh, la vieux grand air est jolie en chanson, mais ce n'est pas si facile que ça. Quand je pense qu'à cette heure-là, Jonas dépose toujours une bouillotte dans mon lit. Je vous allume un bon feu, le fond de l'air est frais. Il ne faudrait pas que monsieur prenne froid. Désirez-vous que je vous serve votre chocolat ici? Je pense à Jonas, des larmes dans l'âme. Je vivais tel un coq en pâte, quand mon destin infâme a fait de moi un être sans foyer que tout le monde a oublié. Je me suis permis d'émettre quelques critiques à la boulangère. Ces brioches sont moins savoureuses. Lorsque je croulais sous les ennuis et que j'avais le cœur à la pluie, je savourais une soupe au pois que Jonas réchauffait au feu de bois. Jonas est à l'homme qui se noie la bouée du naufragé. Lorsque je pense à Jonas, je sens une odeur de purée. Je pense à Jonas, les larmes dans l'âme, quand je survis sans chaise ni lit et que je rêve d'une dinde rôtie. Lorsque j'ai le cœur tout meurtri, je pense à Jonas, les larmes dans l'âme. J'ai placé votre fauteuil préféré sur la terrasse sous un parasol. L'ombre est douce au jardin aujourd'hui. Désirez-vous que je rafraîchisse votre limonade? C'est un grand cru. Jonas! Je pose votre lait tiède sur votre table de nuit et je vous prépare un lit bien douillet. Bonne nuit! Jonas! Jonas! Oh. Oh. Vous êtes cerné, Famalou, allez-vous! Dites-moi, où est passé le jeune brigand? Mais je ne sais pas. Vous le protégez, bien sûr. Ils sont complices. C'est bien ce que je disais. Messieurs, vous le conduisez à la prison. Nous nous occuperons plus tard du monstre. Vous en avez la preuve, Pamalo. La police se trouve toujours là et quand il le faut, hélas pour vous. Au secours, au secours, popo, police, au secours, police. C'est le petit commerçant qui est le dindon de la farce, monsieur le maire. Les petits commerçants avec les impôts, les taxes et la taxe foncière, monsieur Pomalo, qui est mon meilleur client. Et c'est lui que l'on arrête. Enfin, c'est un combat. Et pendant ça, le monstre mène sa vie de bandit. Vous trouvez cela normal, monsieur le maire? Je vous en prie. Vous avez entendu, Manotte? Il est temps que vous arrêtiez aussi le fils de Pomalo. Où en êtes-vous de cette affaire? Et pour cela, il faut que l'on arrive à le rendre tout petit, ce monstre, monsieur le maire. Yeah, c'est rigolo!
Et comment allez-vous faire? Il n'y a qu'une personne qui le puisse, pas mal l'eau. Exact, Menotte. Nous avons maintenant un atout dans notre manche, ou je devrais dire plutôt derrière les barreaux. À propos, téléphonez donc au domestique de Pomalo. Jonas, c'est bien cela? Exact. Tout cela est fort désagréable, mon petit Tim. Je dirais même que c'est inconvenant. Mais vous êtes bien sûr que monsieur se trouve vraiment en... Oui, en prison, il s'y trouve et c'est injuste. Ce n'est pas lui qui a pillé la banque. Vous imaginez la honte que je ressens. Me voici le domestique d'un prisonnier. Et qui plus est, la nounou d'un dragon délinquant. Lisez cela, Jonas. Le jeune Dragbul n'abandonne jamais son père. Comme le nôtre prend M. Pomalo pour son père, je parie qu'il va partir à sa recherche cette nuit même. Non! J'en ai assez de ces sottises, trop c'est trop. Je vais me trouver dans l'obligation de présenter ma démission à monsieur. Oh, misère, si mon pauvre père me voyait. Du pain et de l'eau pour dîner, et un pyjama qui ne me va pas du tout, d'ailleurs. Et le petit qui est tout seul dans la nature, il va s'énerver et recommencer ses bêtises. Oh, c'est ainsi que le destin d'un honnête homme bascule dans le pire des cauchemars. Non, laissez-nous seuls, Slurp. Et vous restez ici, Pomalo. Restez assis. Pomalo, mon ami, cette situation est une catastrophe pour tout le monde. Mais on devrait pouvoir y remédier si vous acceptez de collaborer un tout petit peu avec nous. Il y a quelqu'un qui désire vous parler. Il attend dehors. Je vous préviens, la nouvelle va vous attrister. Débarrassons-nous de cette affaire, cela sera fait. Slurp, faites entrer, voulez-vous? Je me vois obligé de vous présenter ma démission, Monsieur Pomalo. Oh, Jonas. Oh, pas de précipitation. Pomalo, les choses peuvent changer pour vous. Il suffira de nous aider à raisonner votre grand, votre petit. Vous êtes le seul à qui il obéisse. Vous pouvez le faire grandir ou rétrécir à votre guise. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il faudrait que vous le grondiez pour qu'il rétrécisse. Comme ça, il n'y aurait aucun risque. Et ensuite... Ce soir, le Dragbul va traverser notre village. Ainsi que vous le savez, il est très dangereux. Alors nous vous demandons, mes petits-enfants, de ne pas sortir et de bien fermer vos portes et vos fenêtres. Et de cacher tout ce qui a de la valeur, particulièrement les pots de confiture. Ce dragon va nous rapporter une fortune. 10 000 sous que nous gagnerons honnêtement pour une fois. Plus tout l'argent que nous rapportera notre super numéro de cirque. Approchez, approchez. Venez tous voir le dragon qui grandit et rétrécit. Tu as tout compris. C'était un monstre gigantesque. Je sais pas si mes hommes parviendront. Allô? Ici, Slurp. Le suspect se dirige droit vers la grande rue, direction la prison. Que vos hommes restent bien cachés, surtout. Où est-il à présent? Il va franchir l'entrée de la prison. La porte est bien fermée. Allô? Il vient de l'ouvrir, corrompu. Pomalo, il n'y a
bien sûrement vous délivrer. Donnez-lui l'ordre de se rendre. Allez-y, Pomalo, après vous serez libre. Oh, Dragbulle. Dragbulle. Rends-toi, mon petit bonhomme. Dites-lui de n'opposer aucune résistance. Rends-toi gentiment, mon petit. Je ne m'occupe plus de toi. Je suis obligé de t'abandonner, mon fils, de te trahir. Je te demande pardon. Ça ne suffit pas. Oh, si, monsieur le maire, regardez. Magnifique. Oh. Au départ, c'est moi qui tenais un bureau de placement et qui employait Saboum et Yopla. Et maintenant, me voici à leur service. Au fond, tant mieux, j'adore le cirque. Qu'en penses-tu, Dragbulle? Il faut que tu prennes un air méchant, tu sais. Ordre de Saboum. Allez, vas-y, saute, saute. Et il refuse d'obéir. Il vaut mieux renoncer à ce numéro-là. Le public voudrait voir un dragon hargneux. Voilà un poids en moins sur mes vieilles épaules. Monsieur Pomalo est enfin rentré au château, lavé de tout soupçon, et le Dragbulle est devenu inoffensif. Si seulement on avait bien voulu m'écouter, toutes ces histoires lamentables ne seraient pas arrivées. Toutes les poursuites judiciaires à l'encontre de monsieur Olivier Pomalo ont été suspendues, et le Dragbulle a été vendu à un cirque. Écoutons ses nouveaux propriétaires. D'abord, il ne nous a pas été vendu. Il a été mis à notre disposition. Il apprend le métier. D'ici quelques semaines, nous vous inviterons à la première. Le Dragbulle, c'est lui qui va mener le bal. Le monstre se gonfle. Venez le voir au cirque. C'est 100 balles, il veut dire 100 sous. Monsieur Pomalo ne veut pas assister à la première, mais il m'a gentiment offert ses entrées gratuites. Je vais être très bien placé. Peut-être qu'on va me voir à la télévision. Le vestiaire se trouve à l'entrée du chapiteau, mesdames. Monsieur Yopla, veillez à ce que monsieur le maire ait une bonne place. Oui, patron. Oui, monsieur, Saboum. Et après monsieur Gros Dossier, nous apercevons monsieur Blablatin de notre journal local, le marquis de Chantecouac, tous les notables. Monsieur Pomalo, qu'est-ce que vous faites là-haut? Un micro a été installé près de la cage du Dragbulle pour que vous puissiez mieux suivre ses réactions. Dragbulle, c'est le moment de t'enfuir. Et maintenant, mesdames et messieurs, le Dragbulle, le plus terrible monstre du siècle, le plus célèbre brigand sans foi ni loi, nous allons vous le présenter sous la forme la plus petite et le faire grandir devant vos yeux. Vite, Moulinette, dépêche-toi, le patron vient d'annoncer le Dragbulle. Allez, par ici, mon gros. Allez, en piste. Et voici le fameux dragon qui se gonfle et se dégonfle. Écoutez.
allez, hop, allez, hop, allez, 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 allez. Dragbul. Enfin, toi. Ça fait mal au moins. Tout n'est pas perdu. Il nous reste l'argent des entrées. Vite, récupérons la caisse. On a quand même récolté une petite fortune. Lâchez. Au secours, je vais sortir, maman. Au secours. Voilà, petit. Tu es libre. Tu as sûrement compris à présent. Je ne suis pas ton père. Même si je t'aime comme mon propre fils, tu vas partir à la recherche de tes véritables parents, mon garçon. Ta place est derrière les montagnes noires, pas ici. Ici, c'est le monde des hommes. Adieu, je ne t'oublierai jamais. Qu'est-ce que tu racontes, Tim ? Répète-moi ça. Pour la millième fois, Pomalo est innocent. Et en plus, il a sauvé la ville. Tim Pousse a raison. Nous allons arrêter ces deux bandits de Saboum et Yopla et nous remettrons une médaille à Pomalo. Hein? Si on peut le retrouver. Oh, petit, heureusement que tu es parti. Ah oui, ils vont encore me jeter en prison. Pomalo, vous vous sentez bien, mon grand? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Et que se passe-t-il? Vous avez une mine aux défaites. Toutes mes félicitations, vous êtes un héros. Au nom de toute la ville, merci. Hein? Mais... On n'oubliera jamais la façon dont vous avez chassé ce monstre du chapiteau. Bravo encore. Les montagnes noires, le monde est très gris. Quand je les montre du doigt, tout mon être frémit. Personne ne s'y rend jamais, voilà pourquoi j'y vais. Chers amis, je dois avouer en toute modestie que l'éducation d'un enfant tel que le Dragbul n'a pas été une chose facile. Et voyez-vous, il était en réalité un dragon, disons de légende, sorti d'un livre que Jonas ne retrouve plus d'ailleurs. Dommage. Cela dit, il me surpassait dans beaucoup de domaines. Si vous voyez ce que je veux dire, je ne parle pas seulement de sa taille. J'ai dû déployer des efforts tout à fait considérables et maintenant, levons-nous vers au calme retrouvé. Ce devait être une sirène de bateau, Monsieur Pomalo. Buvons tous à la fin de nos ennuis.
une sirène très très lointaine. Oui, non, c'était celle du bateau fantôme, sans doute. Je vais à la chasse aux dragules, sans ma cousine Alice, mais avec des bonbons à l'anis. Anis, 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 la la la.